Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos incroyables aventures sur Horizon Zero Dawn avec bien évidemment Aloy, la magnifique, la sublime Aloy. Nous en sommes à l'épisode 19 et je vous avais promis dans cet épisode le tout dernier long coup qui est juste, il est quand même assez loin mine de rien, qui est ici et on va faire le creuset juste à côté, donc ça risque d'être un épisode mine de rien relativement long. On va pas mytho les gars, hein. Vous savez que j'aime pas le mensonge, donc on va pas commencer à mentir. C'est parti pour cette incroyable aventure. Alors, au début je voulais qu'on continue notre quête principale et je me suis dit non, ça me plaît pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est à l'épisode 19 et l'épisode 19 c'est pas l'épisode 20. L'épisode 20 ça marque 20 épisodes, c'est pas mal. Et je me suis dit pour marquer les 20 épisodes, autant reprendre la quête principale avec la carte au complet, bah justement pour cet épisode 20. Donc je trouve que c'est sympa, voilà. Écoutez, ça n'a aucun sens ce que je raconte depuis tout à l'heure, mais ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Donc cet épisode 19 est, entre guillemets, l'un des derniers, bah c'est le dernier grand coup et c'est l'un des derniers creusets. Profitons-en, bah pour s'en, entre guillemets, s'en débarrasser. On pourra pirater beaucoup plus de mechas, ça c'est plutôt cool. Et on sera normalement niveau 25, voire peut-être niveau 26. Assez possible. Après le long coup plus le creuset, il y a moyen qu'on décolle niveau 26. À voir. En tout cas, on a pas mal de niveaux. Pile poil de quoi reprendre donc notre quête principale après, où elle est encore dans les niveaux 14 ou 15. Mais au moins, vous pourrez pas dire, Mister B-Boy, t'as fait le jeu en diagonale. Non, non, non. On va faire les choses bien et proprement. Pas à 100%. On sait jamais, mais ça peut servir. Quand même, on se fait plaisir. Donc c'est parti les gars, direction le long coup. Alors je ramasse tout, hein. Je ramasse tout sur le passage. Moi, vous connaissez, je suis un gros rat là-dessus. On va pas se priver. Hop, qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? C'est un mecha. Ok, ouais, c'est très bizarre. Un morceau de mecha. Il fait pas très beau là, hein, de ce côté. Oh là là, c'est quoi cette jungle très profonde? Genre la lumière ne passe pas, mec. C'est fait exprès ou c'est un bug? Ça a l'air d'être fait exprès, d'accord, très bien. Ouais, ils voulaient montrer les capacités techniques de la PS4. Ils ont dit, les gars, nous on fait une forêt, la lumière passe pas. Je veux dire, on est là quoi, on est là jusqu'au bout. Alors, site de machine découvert tracker, tiens donc. Tiens donc, ah, une nouvelle espèce en plus. Une nouvelle espèce. Donc, ça s'appelle les trackers, je suppose. Alors, regardez, là, je sais pas où on va, là. Ok, toujours tout droit. On va essayer de se remettre sur la route. Pour le GPS, y a rien de mieux. Ça, c'est magnifique, hein. C'est toujours aussi magnifique. Oh, 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 c'est quoi ce truc gigantesque? C'est quoi ce truc gigantesque? Est-ce que c'est celui qu'on avait vu lors de l'épisode 18? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est bourré. Par contre, il a passé une sacrée soirée. Ok, on est revenu sur la route. Très, très bon. Très, très bien. Il y a des sortes de chèvres méca. Des méca chèvres. À voir leur taille. Ok, c'est par là. Attendez, bougez pas. On y est bientôt, je sens. Ok, je sens qu'on y est bientôt. Donc, c'est par là-haut. Oh. Hop. Frérot. C'est quoi ce truc gigantesque là? J'ai peur de tourner la caméra. Non, c'est ça qui fait ce bruit démentiel. Un oiseau tempête. Ok. Faudra se le faire. Alors je le dis souvent hein, à chaque fois qu'il faudra se faire les world boss entre guillemets. Un autre signal. Mais on va le faire, vous en faites pas. Vous me connaissez, je vais pas me défiler. Croyez-moi, il y aura des épisodes spéciaux world boss. Oh, wow. Wow. Ok, ils me font pas très peur, eux. On peut s'en débarrasser, sauf s'ils sont 4. J'ai déjà mon idée pour le creuset. Oh là là, mais on passe de décor en décor, c'est totalement dingue. Ok. Vous croyez qu'il faut que je prenne cette tyrolienne? Non, aucun intérêt, elle est beaucoup trop loin du long coup. Ok, découvert feu de camp. Alors là, les gars, c'est terrible, hein. On se rapproche du long coup, mais je ne le vois pas, ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce qu'il y a? On a des lapins. On va save. Ok, et on se rapproche aussi du creuset. J'espère que je vais pas attaquer le dernier creuset, l'ultime creuset. Ça me ferait chier. Je crois que je me rapproche du signal. Ok. Où est ce long coup? Ce grand coup? Ok, j'ai peur parce qu'ils font énormément de bruit. Hein. Ah putain, c'est pas vrai. Ok, on va le pirater, comme ça il sera de notre côté. Il
Il va peut-être pas me servir à grand chose, mais enfin écoutez les gars, c'est mieux que rien. Ok. Il va me permettre de gagner un peu de temps. Où est ce long coup? Il est là. Il faut juste que j'atteigne la tête du grand coup. Attends, tu dis ça comme si... Tu me dis ça comme si c'était aussi évident, c'est terrible. D'accord, il tire sur ma bête. Ok. C'est bien, ça fait diversion. Alors, là, les gars, là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Faut que j'arrive à localiser le grand coup. Le grand... Oh, putain, il est là. Salopard. Attendez, je peux sauter direct ou pas? Oui. 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 Ok, vous êtes prêts? Et boum, mon pote. Ok, impeccable. J'ai réussi. Maintenant, je dois attendre jusqu'à ça. Incroyable, mais vrai. On a réussi sans trop de soucis, hein, pour être honnête. Pour être franc, ça c'est beau. Un beau déroulement de début d'épisode qui fait extrêmement plaisir. On peut déjà le pirater. Donc c'est parti, frérot. Et dis-moi tout et je te dirai qui tu es. Et voilà! Tous les grands coups piratés, trophée en argent, je bégaye, excusez-moi. On va voir combien de pourcentage de joueurs ont ce trophée. 18%, 25%, pardon, ça vient de s'actualiser. Donc 25% des personnes qui ont acheté Horizon et qui jouent à Horizon, donc une personne sur quatre a ce trophée. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'une personne sur quatre est allée, entre guillemets, assez loin dans le jeu quand même. Donc c'est parti, dévoile-moi toute la map. Oh là là! Ah oui, par contre, sacré... Oh putain, sacré délire. Hein. Sacré putain de délire. Hein. On est parti pour le creuset, les gars. Donc ce creuset-là, ça va être un véritable bonheur, un plaisir de le faire. Pourquoi? Bah parce qu'on va pouvoir pirater beaucoup plus de choses. Niveau 25 atteint! Oh, c'est incroyable, tout va très vite. Niveau 25 atteint. Oh, j'aurais dû voir le nombre de personnes qui avaient atteint le niveau 25. Bien dommage. Point de compétence supplémentaire, 7500 XP. Allez, regardez comme c'est dingue, ça va s'afficher en haut à droite, ça va s'actualiser, on en est à où? Ordinateur, ok, on est tout au début du niveau 25. Maintenant, direction le niveau 26. Là, on va essayer d'arriver au creuset en vie. Encore un point de compétence. Donc là, on a deux points de compétence, les mecs. Deux points de compétence, c'est incroyable. Ok, on a pas mal de petites choses sympas, là. Oh putain. Je vais devoir abandonner autre chose. Alors, attendez. Attendez, parce que là, on a des choses très 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 sympas, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément, c'est ça. Donc, on va jeter. On va jeter tout ce qui est inutile. On va jeter aussi ceci. Tiens, on peut jeter quasi tous les verres. Hein. On peut jeter quasi tous les verres, ils sont pas méga fous. Hein. On va pas mytho. Ok, on a fait une petite armée de modules ici. Attention, hein. C'est bon! Ça c'est fait. On continue direction notre creuset. Alors là pour trouver le chemin par contre, ça va être terrible. Mais on va y arriver, j'ai confiance. Attendez, j'ai confiance mais pas trop quand même. D'accord. Donc c'est vers la droite, c'est ça, on est bien d'accord. Ok, c'est vers la droite. Très bien. Donc on va essayer de se retrouver sur la route. Et dès qu'on a la route, direction le creuset. Alors je crois que là on entame le troisième creuset. On les a fait jusqu'ici dans l'ordre. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Le quatrième creuset est celui d'en haut. Il est possible que je me gourre et qu'au final, on tombe sur le dernier des creusets. Ça me ferait un peu chier, je vous avoue. Mais bon, les gars, j'en suis pas sûr. Je vous dis peut-être une bêtise. C'était facile quand j'étais petite. Parce que je dis peut-être d'ailleurs beaucoup de bêtises. Ok. Très intéressant. Donc, va falloir qu'on traverse la rivière. Toujours rien à faire par ici. Toujours cette montagne-là qui gêne. Ok. Et d'ailleurs, on va pouvoir aussi... Ah, attendez, maintenant que j'y pense. Parce que là, on rigole. On rigole, mais on en oublie que les soirées sont toujours plus folles. Donc, on va aller, par la même occasion, améliorer son stuff. Incroyable, mais vrai. Hop, on prend des heals. Ah, j'ai pas mal de heals. Ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, améliorer le stuff. On va améliorer tout ce qu'on peut améliorer. On en a rien à foutre. Donc, c'est parti. C'est dans quoi? Artisanat, bien évidemment. Capacité, ok, on peut pas. On peut les sacs de pièges de niveau 3. D'accord, on va améliorer ça.
Ensuite, on va améliorer ça. Et puis voilà. On a amélioré deux petits sacs. C'est plutôt cool. Ça mange pas de pain. C'est totalement gratuit, bien évidemment. Ok, on est bientôt au creuset. 180 mètres. J'espère réellement qu'on n'est pas tombé sur le dernier creuset. Hein. J'espère qu'on les fait dans l'ordre. Moi, c'est la simple logique qui me fait aller à ce creuset-là, tout en bas de la map. J'ai peut-être tort. Écoutez, on va voir ça très très vite. Qu'est-ce que c'est que ça? On est dans un camp ennemi ou pas, là? Yes, un camp ennemi. Très bien. Très très bien. D'accord, je peux pas le marquer. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pour quelle raison. Donc, regardez. On avait fait le creuset numéro 2 qui était... Donc, le premier était au début. Le deuxième était par ici, d'accord, hein, vous l'avez compris. Le troisième, je suppose qu'il est là, et donc le quatrième creuset serait ici. Je dis peut-être n'importe quoi, mais ça me semblerait logique. Creuset 6. J'ai peur. 8000 XP. Ok, ça me semble logique. Ça me semble logique. Donc là, on est sur le troisième creuset. Ça augmente donc 4000, 6000, 8000, et le dernier creuset serait 10000. Ok, je pense que c'est le troisième. Ah, l'éclipse. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je pense que c'est le troisième creuset, on est dans l'ordre. Le compte est bon, les amis. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très très chiant. Et en plus, ils traînent par deux, tu sais, ils traînent en gang, frère. Ça va aussi, oh. Loin de chez moi, loin du combat. Et pourquoi? Il cherche encore. Ok. Alors, aucun souci. J'ai des petites clés, je trouve des petits trucs comme ça sympas. Voilà. Pour le moment, aucun putain de problème. Toi, frérot. Voilà. Il reste qui dans le tas là? Parce que moi je fais tout. Hein. Ah bah les gars, nous on va pas commencer à tergiverser tous ensemble. Vous savez que ça me plaît pas la tergiversation. Ah, ça par contre c'est chiant. Ok, regardez ce qu'on va faire. Voilà. Je vous ai dit que j'étais pas là pour tergiverser. Ok. Alors lui par contre à avoir, va falloir se réveiller tôt. Quoi? J'étais... D'accord, très bizarre. Très bizarre, ok. Cet homme arrive donc à éviter les balles plus vite que son ombre. Tiens, on va se mettre une double flèche sur un malentendu. On joue à un jeu? Non, j'ai pas envie de jouer, frérot. Là, j'ai un creuset à faire, j'ai pas le temps pour tes conneries. Allez! En plus, j'aime bien les creusets, je trouve ça sympa, c'est magnifique l'architecture intérieure. Par contre, c'est vrai que ça devient vite... Très vite un labyrinthe. Et ça devient pas évident. Bon, j'ai déjà un petit plan à vous faire partager, les amis. Ouvrir la porte. D'accord, c'est une porte qui s'ouvre avec la pensée. J'ai déjà mon petit plan pour ce creuset. Arrivé au boss, on va essayer de jouer énormément avec les pièges. Parce que vous vouliez que je varie le gameplay, je varie les plaisirs. Et ben on va le faire, les amis. Ne vous en faites pas. Et il y a encore des gens ici. Ça m'aidera. Crie pas comme ça, l'homme. Oh non! D'accord, écoutez, bon, je vous fais sans aucun problème. D'accord, donc là, c'est les fouilles du creuset. Très intéressant. Est-ce que vous croyez que dans le creuset, il peut y avoir justement des... C'était un creuset avant. Mais la nature s'est infiltrée. Et l'ennemi aussi. D'accord, très original. Changement d'ambiance au... Ouais, clairement changement d'ambiance. Ah, c'est très sympa, ça. Ça me plaît bien, mon petit pote. Oh putain, les bruits quand tu mets des headshots, c'est terrible. Ok. Ah bah, ça va très vite avec moi. Allez, circulez. Ça va très très vite avec moi là les gars, on n'a pas le temps hein. Ok.
Je suppose que c'est par là-haut. Mais alors, jusqu'où ils ont été? Jusqu'où ils ont réussi à aller dans le creuset? C'est très intéressant, ça, comme question. Ah ouais! Ah ouais, c'est trop stylé! Il y a un grand coup! Enquêter sur la présence de la secte dans le creuset! Il va y avoir un éboulement. Un gros. Ah, c'est un creuset super intéressant, j'aime bien! D'accord. On va se la jouer Jean-Michel Infiltration, on va essayer du moins. Ok, de toute évidence, c'est pas par ici. Il va falloir descendre en rappel. Ok. C'est vraiment déprimant, tu sais. T'as besoin de soleil. Voilà, bah les gars, si je peux vous régaler, moi je vous régale, c'est tout à fait logique. Ok, on reste concentré. Ok, il m'a fallu pas mal de flèches, mine de rien. Bah là, on est toujours en full infiltration, on n'a pas... On a alerté personne encore. Elle est partie par là. Ok. Là, ils sont toujours à ma recherche, ils savent pas du tout où aller. On va passer par là-haut. Attendez, lui, on va essayer de le contourner. Ils abandonnent. Une traque sans fin. Allez ! Jamais ! De tracks sans fin. On n'a pas le temps pour ces conneries. Nous. Alors, les frérots. Donc, on va les marquer. Ok, ils ont... Oh, putain. Voilà. Je l'avais pas vu, hein. Je vous avoue que je l'avais pas vu. Ok, on prend. Donc là, il y a un grand coup totalement... C'est incroyable, mais vrai, ils sont plus que 3. Restez vigilants. Ok, vas-y, viens, frérot. C'est quoi ça? On va l'attendre. Ok. D'accord, je sais pas pourquoi ça l'a pas one-shot cette fois. Sans doute parce que mon arc était pas bandé au max. Ok, des petites boîtes de ravitaillement, ça fait plaisir. Lui, on va l'arracher calmement. Bah voilà. Enquête terminée ou pas, là? On est sur quelque chose de concret? Ok... Ah, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je vois que le masque de monsieur l'a sauvé. Donc, faudra prendre... Alors, quand ils ont un masque, vous l'aurez compris, hein, faut prendre les flèches perforantes. Ok. C'était très sympa, ce petit move, là, comme ça, là. En plus, on s'est pas fait cramer. Bah, écoutez, c'est le beau jeu, c'est normal. Rejoindre le noyau du creuset. Voilà, là, on est à la phase... exploration. On va éviter de tomber à l'œil. On l'a déjà fait au creuset précédent. Là, on est dans une petite phase d'exploration. Ça va être sympa. Normalement, il n'y a plus d'humains. Pas envie de vous dire n'importe quoi. Et c'est la phase la plus longue, celle-ci. Parce qu'il faut trouver son chemin. Et c'est terrible. D'ailleurs, je me demande ce qu'on va affronter. Très intéressant, ça. Ok, bougez pas. Je garde ça pour plus tard. Ouais, vas-y, à l'œil. C'est par où? C'est pas par ici, c'est par ici. Ok. C'est par ici aussi. Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit.
J'ai... Oh putain, oui, j'ai rien dit du tout, eh. Allez, putain, il veut pas les marquer. Ok, je peux pas le marquer, lui. Ils ne veulent pas, écoutez. T'approches pas trop de ce truc. C'est un ordre. Venu okay. Du droit de l'ombre enfouie. Ça, c'est fait. Bonne chose de faite. Très utile. Oh là, crie pas comme ça, Loï. Tu me fais très très peur. Ok. Ça, c'est fait. C'est ça, le noyau? J'ai peur. On va le mettre en feu. Voilà. Ok. J'ai un petit peu peur. J'ai peut-être merdé sur quelque chose. Ok, bonne chose de faite. Yes. Allez. Monsieur? Non mais c'est un truc de ouf. Les décors invisibles comme ça qui bloquent le bordel. Ok, bon. J'ai une arme lourde. Pirater le noyau. C'est là le noyau, ça veut dire que c'est là que je vais avoir des ennemis normalement, non? J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais là on est déjà au centre du creuset. Donc, par conséquent... Par conséquent, je vais avoir des ennemis. Non, attendez. Voyons un peu ce qui leur fait si peur. Je sais pas, je me pose beaucoup de questions, là. On va pirater, on va voir. Pire, il y a mon arme lourde derrière. C'est bon. Okay. Je peux pirater plus de machines. Quoi? Ah, putain! Ok. Ok, si. C'était bien le noyau. Putain, c'était bien le noyau. Ok. Faut le résister une minute. Ok. Yes! On va réussir à lui reprendre. C'est parfait. Ok. Encore une nouvelle arme. Allez. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hop, des petits pièges, à gauche, à droite. Wow. Ok, des petits pièges à gauche, à droite. Bon, ce que je voulais faire ne s'est clairement pas passé comme prévu. Je peux pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh la vache! Ok. On se casse. Bah là, les gars, me dites pas, ouais, Mr. B-Boy, faudrait que tu trouves le point faible. Niquez-vous! Non, mais c'est terrible! Ok. Oh putain, je sais plus où tirer, frère. Ok. C'est terrible, hein. Quand ça se passe comme ça. Ok. Trouver une sortie, hein. Ah ouais, il m'a dit trouver une sortie, hein. Bande de petits bâtards. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok, on va tout fabriquer. Ok. Ok, je sais plus ce que je fais, mais je tabasse.
Lui, il est bientôt mort, c'est le plus gros. Allez, headshot. Headshot. Ok. Maintenant, on va le remettre en feu, celui-ci. Ah ! Bien joué, ça. Allez, hop. Oh, mais putain, le dernier creuset, il va être terrible. On passe en double flèche. Il est mort. Bien joué à moi. La vache, le creuset, la gars, là. J'en viens à bégayer, frère. Hop, ça, c'est un classico. Il leur faut une flèche. Voilà. Bon, bonne chose de faite, les amis. On a réussi ce creuset. Il était beaucoup plus rapide et simple que prévu. Je vous avoue que je m'attendais à bien pire. Ok. Par contre, il doit y avoir des choses à ramasser très intéressantes. Ça pourrait changer la donne. Très bien. Attends, on va poser ça parce que ça m'a saoulé. Ok. On ramasse tout. On ramasse tout ce qu'il faut. Attends, chose un peu déçue par contre. Je suis un peu déçu de quelque chose là. C'est que où sont mes mon item légendaire? Les gars, s'il vous plaît, un petit effort, non? Normalement, on a toujours un petit truc légendaire assez sympa. Une bobine assez rare. Vous l'avez pas oublié quand même, les gars? Je commence à avoir peur. Ok. Bon, de toute évidence, par contre, attention, hein, j'ai 1500. J'ai déjà trop de choses. Tiens, et on a assez de popo. Voilà. J'ai 1500 bouts de métal. Hein. On est bien. On est bien pour tout le reste de l'aventure. J'ai du mal à me dire que c'est terminé, là. Ça me paraît bien trop simple. Ça me paraît beaucoup trop simple. Ok. Trouver une sortie. Je veux bien. Attends, on va tout fouiller quand même. Parce qu'on a des trucs vraiment pas mal. Trouver une sortie. Là, on peut pas monter. Alors, où peut être la sortie? D'habitude, ça m'emmène tout en haut, non? Non, non, non. Ah, c'est peut-être pas fini. Je me dis que... Bon, il y a peut-être un boss, je sais pas. Trouver une sortie par ici, peut-être, non? Non. Bon, bah écoutez, je suppose que c'est là. Je vois qu'ici, c'est le seul truc qui monte. Ok. Ok. On y est. On y est, les amis. Mais alors, ça serait la fin du creuset? Non, 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 non. Beaucoup trop simple, attendez. J'aime pas ça. Dites-moi qu'il y a un petit boss, s'il vous plaît. Je voulais mettre mon petit plan exécution, là. J'étais tout content. J'étais tout content de vous montrer comment on pouvait faire un boss avec ses points faibles et tout. Et au final, même pas. Il m'offre pas l'occasion. Comme quoi, même le jeu est contre... contre les dires de certains. Oh putain. Fais pas le con. Hop, fais pas le con, frérot. Voilà. Pas. Pourquoi il meurt? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh la vache! Ok, salopard. Ok, salopard. Ah, ok, salopard. Une machine de mort. Ok, salopard. Tu veux jouer à ça, mon petit pote? T'inquiète pas, frérot. Hop. Alors, bougez pas. Wow. Oh, c'est quoi? Oh, la vache. Ok. Ok, tu m'as fait peur, je t'avoue. C'est quoi ce délire? Une machine qui peut se mettre invisible. D'accord. Waouh! Je vous avoue être un peu bouche bée. Oh, de la lave! Première fois qu'on voit de la lave dans le jeu. Voilà, je trouvais ça très intéressant à noter quand même. Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire? Waouh!
Ok. Finalement, j'ai rien dit. On est loin d'être à la sortie de ce creuset. Ça va pas être évident, hein. Écoutez, j'essaye de suivre un chemin. Je vous garantis pas que c'est le bon. C'est bizarre parce qu'elle a dit qu'elle pouvait pirater plus de machines, mais j'ai pas eu la liste. D'habitude, on a toujours une petite liste quand même à droite. Et là, je l'avais pas eu. Très bizarre. Alors, quand tu vois tout ce qu'il me donne, je me dis qu'on court face à de très gros problèmes. On court face à des putains de gros problèmes. Par où ça peut être? Par ici? Non, je viens de là-haut. Ok. Par ici, sûrement. Faut que j'aille là-haut. Faut que j'aille là-haut, de toute évidence. Je dérape un peu. Mais alors comment? Par ici, peut-être? Waouh! C'est bien, c'est beau. Mais j'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose à faire. Non, non, c'est pas par ici. C'est pas par ici. Alors, attendez, est-ce qu'à chaque fois que je vais activer ça... Ok, ça envoie une machine à chaque fois. Très bien. Attends, frère. Ok, je sais pas pourquoi il voulait pas... Pourquoi il s'est arrêté de pirater. C'est quoi ce creuset de malade? Ok. C'est des gens? Écoutez, c'est très bizarre. Qu'est-ce qu'ils font accroupis? Ils savent que je suis. Je les arrache, je sais pas trop. Pourquoi ils sont tous accroupis, j'en ai strictement aucune idée, mais écoutez. Moi je vais tout droit, hein, je trace mon chemin. Ah putain, ok, j'ai compris. J'ai compris, il faut que j'évite d'activer ces choses-là. Ok. Ok. C'est quoi ce délire? Ok. Ils sont méga chauds, ils font tellement peur. Ah! La vache! T'envoies des météorites, ma gueule! T'as mis l'âge des bebons! Ok, le délire! Le délire! Quoi? Je peux pas me casser? Ok. Fais pas le con, toi! Fais pas le con, frère! Putain, mais... Ok. Putain. Allez, dégagez. Ah bah moi je te dis, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace. Allez les frérots. Je suis OP moi, venez. Sans trop de peine, je te dis que t'as... Attends, il est où le dernier frérot là? Le dernier frérot là, il est là. Allez, dégage. Et ouais, mon pote, je sais pas à quoi tu joues avec moi. J'ai pas le temps pour vos sales conneries. Ok, donc je ne pouvais pas m'agripper tout à l'heure. Maintenant que j'ai tué les deux, je peux. Je peux les voir, mais pas eux. Ok, on va pirater ça. Non, non, on ne peut pas. Non, attendez, on ne peut pas. C'est pas grave, on va aller sniper. Ah putain! C'est bon cette fois?
Ok, en fait, on peut tout simplement pas le pirater, fallait aller par ici. Mais bon, écoutez les gars, je me suis fait plaisir, j'ai tué quelqu'un. C'était entièrement gratuit, bien évidemment, toute cette J'approche violence. J'approche de la sortie. J'en reviens là. Ok. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? J'aime bien les mettre en feu. Parce que ça leur... En fait, pourquoi je les mets en feu? Parce que certains me disent, ouais, mais tu les mets trop en feu et tout. C'est chacun sa façon de jouer, encore une fois, mais... Moi, j'aime bien parce que ça leur fait non seulement des dégâts constants, tout le temps, tout le temps. Mais en plus de cela... Non seulement ça leur fait des dégâts sur le temps, mais en plus, ils sont un peu à l'ouest. Oh, ah bah, gros, ça, c'était entièrement mal. Regardez. Tu vois? Et en fait, ils peuvent plus m'attaquer. Et ah, voilà, il n'y a plus qu'une flèche à mettre, on en parle plus. Ok. Alors là, je me fais attaquer par la terre entière. C'est terrible. Ok, on s'en est bien sorti encore une fois. On s'en sort toujours très bien, de toute façon. On va utiliser des soins. On va peut-être pas faire trop les marioles, hein. On va se mettre, voilà. Hop, ça dégage. Ok, niveau 26, c'est incroyable! Je l'avais dit qu'à la fin de cette vidéo, on serait niveau 26. Un point de compétence supplémentaire, 10 de santé en plus. 10, voilà, parce que je finis jamais les mots, en fait. Ah, quand c'est des numéros, j'aime pas trop, donc je préfère pas terminer. Ok, on continue de monter. J'ai toujours pas eu ma bobine légendaire, un petit peu déçu, je vous avouerai. Attendez, parce qu'en plus, on n'est pas à la sortie, hein. C'est ça le pire, hein. C'est ce qui m'inquiète le plus. Fini l'approche discrète. Ok, je sais pas ce que... Je savais pas que t'étais là, mon ami. Mon copain, mon cousin. Ok, vous êtes où? C'était pas ici. Ouais, un petit peu déçu de ce creuset. Ah, il n'y a pas eu la phase, les phases classiques. Alors, là où j'ai pas été déçu, c'est qu'au final, ça a bien varié. Mais là où j'ai été déçu, c'est que justement... Voilà. C'est que justement, je sais pas comment vous expliquer. Très court, trop court peut-être. Je m'attendais un petit peu plus. Quoique, ça fait... ça doit bien faire 30 minutes qu'on est dessus. 20-30 minutes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit là encore? Attendez, parce que maintenant, je crois qu'il faut quitter carrément leur village, donc on n'est pas bien. On n'est pas bien, je vais commencer à avoir flou. Non, c'est bon. Et ben voilà. Bon, leur opération de recyclage est à l'eau. Ce sont attaqués à quelques... Point de compétence supplémentaire, 8000 XP en plus. Ok. Alors, les gars... Il y a lui à faire. Quoi? Quoi? Ok. Lui, ça sert à rien de le mettre en feu. Oh la vache! C'est quoi ce délire? Je me fais... Des bombardements alliés! Pas ennemi sur le coup. Ok, toi, mon petit pote. Toi, je vais vite te faire descendre, mon ami. Alors, eux, leur point faible, c'est ça. Voilà! Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Ok, je ramasse. C'est trop le bordel. On va peut-être se barrer, hein. Yo. C'est rien, frérot. Non. Voilà. Voilà. Toi aussi. On va se régaler, c'est le moment. Oh ouais, là c'est les gars, l'épisode de la boucherie charcuterie. On n'est pas bien. Ça pète de partout, mon pote. Tiens, toi, tu dégages. Gros, ça va aussi, hein. Oh là là, la boucherie. C'est terrible. Ça donne masse XP en plus, cette connerie. Oh, le délire, quoi. Le délire. Non mais tu peux me chasser, hein. Ah bah il y a une gatling, hein. J'ai une gatling dans les mains, les mecs, hein. Oh la vache, presque niveau 27. Qui l'eût cru? Énorme. Quelqu'un veut me provoquer?
Ok, il me reste suffisamment de balles pour arracher 2-3 2-3 mechas, ça c'est cool. On va se les faire, hein. Ah bah on va se les faire les mecs, hein. Je vais sortir là-dedans les gars. Encore un creuset terminé. Les gars, il nous restera plus qu'un creuset, on aura fait la totalité des creusets. Ça c'est cool, on aura forcément, je pense, un trophée en argent ou en or. Et après on peut se focus sur l'histoire principale. Donc dès l'épisode 20, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Alors, il n'y a pas par contre... Attendez, bougez pas. J'aimerais vraiment me faire des mechas gratos, là. J'ai 60 balles. De toute façon, on va s'arrêter là, les amis. Hein. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais les bisous. Portez-vous bien. Allez, hop, j'ai la flemme de traîner ça sur 4000 mètres. Portez-vous bien. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.